Au fait de tout ce qui est électrotechnique au niveau des machines, tout ce qui est les machines qu'il y a dans la galerie, une partie du carrousel et l'éléphant quoi. Ça commence à faire une bonne installation quand même, parce qu'il y a quand même je crois 150 stands, donc il faut tous alimenter. À côté de ça, on a toute une partie qui est sur l'esplanade de l'autre côté là, l'esplanade des traceurs de coques. Et puis là, ici, on est autonome au niveau du réseau, mais on a un sacré paquet d'armoires à installer, et on a de la distribution à faire pour repartir vers la plus petite distribution en prise domestique quoi, pour alimenter des stands, des ordinateurs, tout le matos. On arrive de Rennes nous. Ouais, Maker Faire France c'est à Rennes. Maker Faire c'est une licence et nous on est les ayants droit de la licence en France. Et donc on organise nos propres événements. Et après on laisse d'autres producteurs aussi organiser des Maker Faire. En gros la Maker Faire ça va se passer dans la zone 2, ici dans la zone 3 et la zone 4 extérieure. Là, au bout, on a des gradins. Juste devant, il va y avoir la cage de drones. Ici, on va avoir, moi j'appelle ça Mission Mars. C'est un projet où tu vas pouvoir marcher sur Mars en réalité virtuelle. Donc là, ça reste encore un gros chantier. Quand on voit le travail par exemple de l'éléphant, où il y a quasiment 40 corps de métier différents sur un éléphant comme celui-là, on a 40 makers qui sont là-dessus et nous on a tout de suite fait le lien entre à la fois un savoir-faire artisanal et en même temps de la haute technologie, parce que les machines de l'île de Lande c'est aussi de la haute technologie, même si c'est caché derrière le bois. Pour nous il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était des makers.